طلب العلم فريضة على كل مسلم. بسم الله بسم الله والصلاة والصلاة والسلام والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك. Donc ça, c'est l'invocation que l'on dit à quel moment? Qui sait? Alors déjà, on lève la main avant de parler, effectivement, c'est très bien. Oui, Mohamed? Avant de rentrer dans la mosquée. Très bien. Avant de rentrer dans la mosquée, je rentre avec mon pied droit et je dis cette invocation. Alors là, aujourd'hui, les enfants, nous allons tenter de répondre à une question. Cette question qui est, comment Allah tabaraka wa ta'ala a tout créé? Puisqu'on a déjà vu qu'Allah azza wa jal, c'est le créateur de toutes choses. Qui a créé les cieux? Allah. Allah azza wa jal. Qui a créé les océans, les terres? Allah. Qui a tout créé? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Maintenant, ce que l'on va voir aujourd'hui, c'est comment Allah azza wa jal a tout créé. Et ça, c'est, des fois, on se pose la question. On se dit, oui, mais comment Allah il a fait? Et il est important de comprendre la réponse. Premièrement, celui qui croit en Allah, il va automatiquement croire que c'est Allah, tabaraka wa ta'ala, qui a tout créé. Celui qui croit en Allah, tabaraka wa ta'ala, il va automatiquement croire que c'est Allah Azza wa Jal qui contrôle tout, qui gère tout, qui dispose de tout. Il donne ce qu'il veut à qui il veut, il retire ce qu'il veut à qui il veut. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort. Subhanahu wa ta'ala. Et en réfléchissant sur le monde, en réalité, des fois on se pose beaucoup de questions. Et on se demande comment tout a apparu. Alors, premièrement, il est important de comprendre qu'Allah Azza wa Jal, il a tout créé. C'est lui le créateur de toutes choses. C'est lui le créateur de toutes choses. De toutes choses. Deuxièmement, il est important de comprendre et de savoir qu'Allah tabaraka wa ta'ala, il est capable de tout. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Répétez, inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah tabaraka wa ta'ala, il est capable de toutes choses. Ça veut dire quoi qu'Allah il est capable de toutes choses? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui est difficile pour Allah. Il n'y a rien qui est impossible pour Allah. Alors que pour nous, il y a des choses qui sont difficiles ou pas? Oui. Il y a des choses qui sont impossibles pour nous ou non, pas? Non. Il n'y a pas de choses qui sont impossibles pour nous. Si un exemple je te dis, crée une montagne. Tu vas réussir à le faire? Est-ce qu'Allah il t'a donné? Toi tu m'as dit peut-être Allah il va m'aider. Moi je te réponds et je te dis, est-ce qu'Allah t'a donné la capacité en tant qu'être humain de créer quelque chose? Non. Allah il nous a pas donné cette capacité. On n'est pas capable de créer quelque chose, de créer une montagne, de créer un nouveau ciel. Tu es capable ou pas? Non. Déjà, comment atteindre le ciel, déjà? Après, on verra, on nous a créé pour lui. Tu comprends? C'est pour cela que il est important de comprendre que pour nous, il y a des choses qui sont difficiles. Il y a même des choses qui sont impossibles. Mais pour Allah, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui est difficile pour Allah. Il n'y a rien qui est impossible pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Oui? Alors, pourquoi Allah il nous a créé? Ça, c'est une excellente question. Pourquoi Allah Azza wa Jal nous a créé, Jibril? Très bien. Allah Azza wa Jal, il nous a créé. Est-ce qu'Allah il nous a créé simplement pour qu'on dort, pour qu'on mange? Non.
Pour qu'on boude, pour qu'on s'amuse. Allah, il nous a créé pour quoi? Pour nous éprouver, pour nous tester. C'est quoi ce test? Est-ce que tu vas adorer Allah ou pas? Si tu l'adores pas, tu vas en enfer. Celui qui adore Allah, Azza wa Jal, qui applique la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah. Celui qui vit en appliquant la shahada, en appliquant que, en affirmant que seul Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré, que personne ne mérite d'être adoré à part lui. Et celui qui suit la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui il réussira son test. C'est pour cela que lorsqu'il va mourir, Allah il va lui envoyer des anges dans sa tombe. Qu'est-ce qu'il lui pose comme question? La première, Man Rabbuk. Qui est, oui? Qui est ton Dieu? Qui est ton Seigneur? Alors, toi, si tu as adoré Allah, si tu as adoré Allah, si tu as fait tes prières, si tu as été un bon musulman, ben, qu'est-ce que tu vas répondre? Rabbi Allah. Tu vas dire mon Seigneur, c'est Allah. Ensuite, Madinouk. Madinouk. Qu'est-ce que ça veut dire Madinouk? Quel est ton din? C'est quoi un din? C'est une religion. Quelle est ta religion? Alors toi, tu as adoré Allah toute ta vie, depuis que tu es petit, et tu adoreras Allah Azza wa Jal jusqu'à ta mort. Il n'y a pas un moment dans ta vie où tu vas délaisser l'adoration. Non, tu prends une résolution dès maintenant que toute ta vie tu vas adorer Allah. Vous savez pourquoi les enfants? Parce que là vous êtes encore jeunes. Mais des fois, quand vous allez grandir et des fois vous allez peut-être arriver en CM2, au collège ou au lycée, et bien des fois, qu'est-ce qui se passe chez les enfants quand ils arrivent, quand ils grandissent, ils arrivent à cette période-là, ben ils arrêtent de faire leurs prières. Ils arrêtent de suivre la religion. Est-ce que vous allez arrêter de faire la prière? Non. Est-ce que vous allez toujours vous accrocher à la religion? Oui. Exactement. Et c'est pour cela que tu pourras répondre, Dinil Islam. Dinil Islam. Ma religion, c'est l'islam. Et je suis musulman. Et ensuite, les anges vont te poser la question, qui est cet homme qui vous a été envoyé? C'est-à-dire, qui est ton prophète? C'est qui notre prophète? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah, c'est notre Seigneur. Un prophète, c'est un être humain, un homme qu'Allah a choisi pour transmettre son message. Tu comprends? D'accord? Et notre prophète, c'est qui? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa sallam. Et comme toi, toute ta vie, tu as suivi son modèle, tu as suivi son exemple. C'est qui notre exemple? C'est le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Est-ce que nos exemples, c'est les joueurs de foot? Non. Parce que des fois, nous, on a des modèles et on veut ressembler à certaines personnes, mais il ne faut pas se tromper. Est-ce que je dois ressembler aux chanteurs ou aux chanteuses? Non. Ça y est, ils font une nouvelle coupe, je dois faire une coupe comme eux. Ils marchent d'une certaine manière, je vais marcher comme eux. Non. Non. Est-ce que je dois ressembler aux joueurs de football? Non. Hein? Est-ce que je dois ressembler à Karim Benzema? Non. À Lionel Messi? Non. À Cristiano Ronaldo? Non. À Neymar? Est-ce que, regardez Neymar, que sa touffe de cheveux, on dirait un coq. Est-ce que je vais mettre mes cheveux comme lui? Non. Est-ce que c'est mon exemple? Non, c'est pas eux mes exemples. Ça veut dire que même si je les vois en train de jouer, même admettons, je trouve qu'ils jouent bien. Je dis, ah, il a marqué un beau but, il a joué. Mais ça s'arrête là. Je ne dois pas faire comme lui, avoir un poster de lui dans ma chambre, etc. Non, ça c'est pas le comportement du musulman. Nous, on n'idolâtre pas ces gens-là. Est-ce que je prends comme exemple ceux qui sont sur YouTube, qui font des pranks, qui font des séries, des acteurs de films, des YouTubeurs, tous ces gens-là?
C'est pas ça mes exemples. Mais mes exemples, ce sont les prophètes. Et notamment le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire que je prie comme il a prié. Je parle comme il a parlé. Je mange comme il a mangé. Je bois comme il a bu. Je dors comme il a dormi. Je me comporte comme il s'est comporté. J'adore Allah comme lui, il adorait Allah. C'est ça, suivre sa sunnah. Et lorsque je vais faire cela, je vais vivre en sachant que c'est lui mon exemple, que c'est lui mon modèle. Alors à ce moment-là, dans ma tombe, quand je vais mourir, et que les anges vont me poser les questions, qu'est-ce que je pourrais dire ? Huwa Muhammadun Rasulullah. C'est Muhammad, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Revenons à notre question. On a dit qu'Allah Azza wa Jal, il n'y a rien de compliqué, de difficile pour lui. Il n'y a rien d'impossible pour lui. Il est capable de toute chose. Alors que nous, quand, si je te demande, je te dis, Abdullah, tu te lèves et maintenant tu vas me construire une maison. Tu as besoin, déjà il faut savoir le faire. Tu as besoin de force, tu as besoin d'outils, tu as besoin de ciment, tu as besoin de briques, tu as besoin de plein de choses. Parce que toi tout seul, tu peux pas. Tu vas claquer des doigts et une maison, elle apparaît. Ça n'existe pas. Est-ce qu'Allah Azza wa Jal, il a besoin d'autres personnes pour l'aider à créer? Non. Est-ce que vous savez comment Allah tabaraka wa ta'ala, il a tout créé? Est-ce que vous savez comment Allah, il donne la vie à ceux qui n'existaient pas? Allah, juste, il dit une parole. Kun. Répétez, kun. Kun. Allah, il dit, sois. Fayakun. Répétez, fayakun. Fayakun. Et c'est. Kun, fayakun. Kun, fayakun. Kun, fayakun. Kun, fayakun. Allah il dit sois et c'est. Allah il dit que le ciel il doit être créé, ça y est, le ciel il est créé. C'est facile pour Allah Azza wa Jal. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous informe qu'il a créé le monde en combien de temps? En six jours exactement. Si tu ne lèves pas la main, moi je ne fais comme si, j'ai entendu ta réponse, mais je ne fais comme si que tu ne m'avais pas répondu. Abdullah? 7 jours. Ayoub? 7, 7. Ah, là, tu lèves la main, je peux te répondre. 6 jours. Allah Azza wa Jal, il a créé, Allah Tabaraka wa Ta'ala, il nous a informé qu'il a créé le monde en 6 jours. Ça veut dire qu'il a créé le monde en 6 longues périodes. Et Allah Azza wa Jal, il a créé la terre. Qui a créé la terre? Allah. Il a créé les montagnes. Qui a créé les montagnes? Allah. Il a créé les arbres. Qui a créé les arbres? Allah. Qui a créé la lumière? Allah. Qui a créé les cieux? Allah. Les poissons? Allah. Les animaux? Allah. Le vent? Allah. Qui a tout créé? Allah. Subhanahu wa ta'ala. Qui a créé l'être humain? Allah. Qui a créé le premier des êtres humains qui est Adam alayhi salam? Alors on écoute l'adhan. On répète après l'adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه دعوتي تامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Donc on termine notre leçon les enfants, comme ça on va descendre faire la prière. Allah tabaraka wa ta'ala, il a créé le monde en six jours. Et on a dit que la création de toute chose, est-ce que cela a est-ce qu'Allah il a dû faire un effort? Est-ce que c'est difficile pour lui? Non. Non. Et il y a des gens qui pensent que le septième jour, Allah il s'est reposé. Non. Est-ce qu'Allah il a besoin de se reposer? Non. Est-ce qu'il y a des choses qui fatiguent Allah? Non. Non, Allah il n'est jamais fatigué. Allah il n'a pas besoin de se reposer. Allah il ne dort pas. Allah Azza wa Jalla, il n'est pas touché par la faiblesse ou par la somnolence ou par le fait de vouloir dormir. Puisqu'Allah Azza wa Jalla, il est le vivant, celui qui ne meurt jamais. Puisqu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, il est le puissant. Puisqu'Allah Azza wa Jalla, il est celui qui a tout créé, et cela sans aucune difficulté, et cela sans aucune aide. Allah Azza wa Jalla, il a besoin de personne. C'est pour cela que lorsqu'Allah il veut créer quelque chose, c'est par sa volonté. La volonté d'Allah, ça veut dire que ce qu'Allah il veut, ça se produit. Et ce qu'Allah ne veut pas, ne pourra jamais se produire. Répétez cette phrase et on arrête la leçon d'aujourd'hui ici. Ce qu'Allah veut se produit. Ce qu'Allah veut se produit. Et ce qu'Allah Azza wa Jal ne veut pas ne se produit pas. Ça veut dire que même si moi, je veux quelque chose, mais Allah ne le veut pas, ça ne pourra pas se passer. Mais si je veux quelque chose, ou si je ne veux pas quelque chose, mais Allah le veut, eh bien ça va se produire. D'accord les enfants? Ce qu'Allah il veut, ça se produit. Ce qu'Allah il ne veut pas, ça se produit pas. Ce que je veux et Allah il veut, ça se produit. Ce que je veux mais Allah il ne veut pas, ça se produit pas. Ce qu'Allah il veut, mais que moi je ne veux pas, ça se produit pas. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad. Nous allons aller dans la mosquée prier. On va avoir le meilleur des comportements, puisqu'on a dit tout à l'heure que nous devons prier comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prié, c'est-à-dire que je prie et je prends conscience que dans ma prière, la prière que je vais faire, je la fais pour me rapprocher d'Allah. Je la fais pour qu'Allah Azza wa Jal, il soit satisfait de moi. Je la fais pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.